Bonjour, Florent Herzog, donc je suis médecin du sport et médecin de la Fédération française de squash depuis quelques années. Ah, on a parfois l'image de certains accidents un petit peu emblématiques qui ont pu survenir sur les terrains de squash, comme on peut le voir au foot ou dans d'autres sports. Le squash, comme toute la pratique sportive d'une manière générale, apporte de nombreux bénéfices sur la santé et la pratique sportive et du squash en particulier est vraiment à encourager. Alors, le squash tout particulièrement, qui est une activité à haute sollicitation cardiovasculaire, hein, intensive et intermittente, crée des adaptations du système cardiovasculaire qui vont à long terme diminuer le risque d'accident cardiovasculaire et apporter d'autres bénéfices, notamment sur la santé mentale, le bien-être. Donc vraiment un grand nombre de bénéfices qui sont largement en faveur de l'activité sportive. Donc dans la période actuelle, après les différents confinements que nous avons vécu, la pratique sportive a été interrompue pour beaucoup de sportifs. Il est très important d'être progressif sur la reprise, d'appliquer les conseils habituels d'échauffement, d'hydratation, d'alimentation, d'éviter de fumer avant et après les efforts. Donc toutes ces habitudes sont particulièrement importantes dans la situation actuelle, et d'être très progressif sur la reprise, de ne pas forcément vouloir revenir tout de suite à la même intensité, et d'être à l'écoute d'éventuels symptômes qu'on pourrait présenter, de douleurs dans la poitrine, de difficultés respiratoires, tout autre symptôme anormal qui doit vous amener à consulter votre médecin. Très bonne saison à tous!